zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschid de ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Valjean! Vous êtes libre. Avant de bagne? Pourquoi? 5 ans pour avoir volé un pain. 14 ans pour avoir essayé de m'évader. 14 ans? Oui, j'ai essayé 4 fois. Pour votre service? Une soupe. Une soupe et un lit. Vous avez des papiers? Ça y est, monsieur Buteau. Il n'y a plus de place. Pas de place. Il n'y a plus de chambre. Et l'écurie? Tout est retenu. Et pour la soupe? J'ai plus rien. C'est parce que je sors du bagne, hein? C'est pour ça? Vous auriez mieux de vous en aller avant que les gendarmes. Mes papiers sont en règle et j'ai de l'argent. Et moi, je suis pas obligé de vous servir. Charogne. T'es encore pire que moi. Qui c'était, monsieur Buteau? Rien. Un forçat.
Qu'est-ce que vous voulez? Une soupe. Une soupe et un morceau de pain. Je peux payer. Qui c'est? Il voudrait une soupe et un morceau de pain. Il peut payer. Mais non, dis-y, alors. C'est le forçat qui se trouvait sur la place tout à l'heure. Vous êtes un forçat évadé? Non, libéré. Pour moi, c'est la même chose. Vous pouvez pas rester là. Mais j'ai de l'argent. Rien à faire. On est des gens honnêtes. Vous n'avez rien à faire ici. Bonsoir. Mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites là tout seul à cette heure? La nuit va être froide. Vous allez quand même pas dormir là. Pourquoi vous allez pas à l'auberge? Pourquoi vous allez pas là-bas frapper à la porte sous la voûte? C'est quoi là-bas? C'est des gens charitables, je les connais bien. Ils vous logeront pour la nuit. Pas sûr. Allez-y, vous verrez bien. C'est où déjà? Là-bas, au milieu de la lumière. Entrez, entrez, mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport jaune, je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué, là. Je sais lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, oui, là, là. Puis débarrassez-vous. Voilà. Payer. Vous nous l'avez déjà proposé. Ah, c'est couvert en argent et ces chandeliers. Je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions. Avec tous ses pots, aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas vendu, on le lui a pris. Et si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Allons, voyons, madame Magloire, allons. Notre hôte est fatigué. Donnez-nous une chandelle. Venez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit.
Monseigneur, Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte? Nous avons trouvé ses couverts dans son sac, Monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les deux chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts? Mais alors, tout ce que cet homme nous a dit? C'est pure vérité. Vraiment, vous êtes sûr, Monseigneur? Tout à fait, mon ami. Alors, je peux m'en aller? Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs, pour le moins. Les quatre clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Je vous remercie, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Allez maintenant. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est ma pièce. Une pièce de 40 sous, monsieur. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Elle est sous votre pied, monsieur. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Enlevez votre pied, monsieur. Soyez gentil. C'est tout ce que j'ai gagné dans la semaine. Pour moi, la paix. Vous n'avez pas le droit. C'est ma pièce. Espèce de voleur. Parfaitement, vous n'avez pas le droit. Espèce de sale voleur. Sale voleur. Sale voleur. A-t-il inventé le procédé qui a révolutionné à Montreuil-sur-Mer la fabrication des jets et des verroteries noires? En 1815. À la fin 1815, mais... Et toi, en quoi consiste ce procédé? On remplace la résine par de la gomme d'âge, et pour les bracelets, on remplace les coulants en col rapproché par les coulants en col soudé. Bien, 10 sur 10. Et quel a été le résultat de cette invention? Et de Monsieur Madeleine. Monsieur, parce que je te demande, qu'est-ce qu'on en fait après? On exporte dans toute l'Europe. Bon, 8 sur 10. Blague, Gustave.
Que demande Monsieur Madeleine à tous ceux qui l'embauchent? Aux hommes de la bonne volonté, aux femmes des mœurs pures, à tous de la probité. Bien, d'autres disent. Non mais vous voulez interrompre, hein? Bon alors tous ensemble. À qui devez-vous de pouvoir apprendre à lire et à écrire gratuitement? À Monsieur Madeleine, notre bienfaiteur. Bien. Combien a-t-il dépensé pour fonder deux écoles, doter l'hôpital et ouvrir un asile? Monsieur Madeleine a dépensé plus d'un million. Bien. Mon avis était terminé. Allez-y. Monsieur? Il faut que je voie monsieur le maire. Monsieur Madeleine n'est pas encore là, nous l'attendons, alors, si vous voulez bien. Je vais voir. Inspecteur Javert, je viens d'être buté. Très bien. Je viens de visiter la prison, monsieur le maire. Il faudra l'agrandir. Les cellules sont trop grandes. Il faudra les séparer en deux. Les prisonniers n'ont pas besoin de tant d'espace. Nous en parlerons plus tard, si vous voulez bien. Nous aurons tout le temps, monsieur l'inspecteur. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Vite, monsieur le maire, venez voir! Monsieur le maire! Qu'est-ce qui se passe? C'est Fauchelevent qui a glissé sous la charrette, monsieur le maire! Comment ça se fait? C'est le cheval qui a glissé! Ah! Comment ça se fait? C'est Fauchelevent qui est coincé! C'est pas comme ça, les choses sont inscrites! Allez, on se voit, je vais voir les interrompre, monsieur le maire! Monsieur Calon, tout le pays! Mais on n'a pas le temps d'attendre, alors je suis sur la voiture. Essayez de la trouver. Allez, allons-y. On a essayé, le meilleur, on ne peut pas y arriver. C'est la force qui nous manque. On a tout fait. Écartez-vous, écartez-vous. Qu'est-ce que vous attendez, mon arme? Allons-y! Alors! Tirez-le! Jean! Quoi? Pas
revenir chez lui. Je n'ai jamais vu d'homme aussi fort. Moi, si. Au règne de Toulon, un nommé Jean Valjean. Toute la ville est au courant, monsieur le maire. C'est très bien ce que vous avez fait. Non, pas non plus. Comment va-t-il ce matin? Beaucoup mieux. C'est ici, dans la grande salle. Mon fils, le Seigneur, dans sa grande bonté, ne saurait plus se refaire aux hommes de plus de souffrance que vous avez. Alors, Fauchelevent, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va mieux, monsieur le maire, beaucoup mieux. Tant mieux. Si vous n'aviez pas été là... Bah, il y en aurait eu un autre. Pas sûr. Merci, merci, merci. Maintenant, il faut que je vous dise une chose. Oui. Seulement, je veux pas que tout le monde entende. Bien, je vous laisse. Je vous écoute. Voilà. J'avais une boutique dans le temps qui a fait faillite. Alors, quand je vous ai vu réussir avec votre fabrique, vous qui avez commencé simple ouvrier, ça m'a rendu jaloux. Je ne trouvais pas ça juste. Alors, j'ai tout fait pour vous faire avoir des ennuis. Voyons, Fauchelevent, voyons, alors, tout ça, c'est du passé. Hein? On n'en parle plus. C'est bien. C'est bien, monsieur le maire. Je voulais que vous le sachiez. Surtout maintenant que je vais avoir une jambe raide toute ma vie. Remarquez, j'aime mieux ça que d'être mort. Bien sûr, je pourrais plus faire le voiturier. Mais j'y ai pensé, Fauchelevent. Est-ce que ça vous dirait de travailler à Paris? À Paris, monsieur le maire? Sœur Marie connaît très bien la mère supérieure de Picpus. Et elle peut vous faire engager comme jardinier, par exemple. Vous seriez logé, bien nourri, et puis payé convenablement. Ça vous va, ça? Ça va. Voilà. C'est parce que j'ai... C'est bête. On dirait que vous faites tout comme si vous me deviez quelque chose. Je suis sûr que vous en auriez fait tout autant, Fauchelevent. Au revoir, Fauchelevent. Et soyez tranquille. Tout ira bien. Monsieur le maire, Dieu vous garde. Je serai dans le pénible devoir de la renvoyer si, dorénavant, vous ne me payez pas 15 francs par mois. Je suis votre bien dévoué Thénardier. Une bâtarde! Elle a fait une bâtarde! Pourquoi que tu nous l'as jamais dit que t'avais une fille qui avait pas de père, mademoiselle Lassat-Nitouche? Espèce de voleuse! Rends-moi malade! Rends-la-moi! Si tu crois me faire peur, lâchez-la, vous autres! Fais attention! Alors! Je t'attends! Alors! Alors!
honte. Vous serez toutes punies. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez? Reprenez le travail. Mademoiselle Fantine. Mademoiselle, votre petite Cosette a besoin d'une jupe de laine. Il faut au moins que vous envoyiez 10 francs pour cela. Mon épouse et moi, nous avons calculé au plus juste. Il y a longtemps que le trousseau que vous aviez laissé l'année dernière est hors d'usage. Et c'est pitié de voir votre enfant trembler par le froid qu'il commence à faire. Je suis votre bien dévoué, Thénardier. Mademoiselle, Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une mauvaise fièvre. Les drogues sont chères. Nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, l'état de la petite risque de s'aggraver. Je suis votre bien dévoué, Thénardier. Mademoiselle, vos 40 francs n'ont pas suffi à régler la moitié des médicaments. Il reste la note du médecin. Il nous faut 100 francs tout de suite. Sinon, nous serons obligés de mettre votre Cosette à la porte, toute convalescente qu'elle est de sa grande maladie. Et par le froid qu'il fait, elle deviendra ce qu'elle pourra. Je suis votre bien dévoué, Thénardier. Thank you.
suis-moi. Voilà. Tu en as pour 6 mois. 6 mois? Comment ça, 6 mois? Mais c'est pas possible. Je n'ai encore plus de sang-froid, Thénardier, monsieur l'inspecteur. C'est surtout pour Cosette, ma petite fille. Si je ne peux pas, les Thénardier, ils l'ont acheté dehors. Alors, vous comprenez? 6 mois de prison en ce moment, c'est pas possible. Tu as tout dit. Bon. Alors en route. Tu as tes 6 mois. Le Père éternel en personne ne peut plus rien pour toi. Si je meurs, je vous en supplie. Sergent! Ah. C'est vous, monsieur le maire. Bonsoir, Javert. Alors c'est toi? C'est toi, monsieur le maire? C'est à cause de lui, monsieur l'inspecteur, que je vais en prison. Il m'a chassé de son usine. Je lui avais rien fait, moi. Je le connaissais même pas. Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. Monsieur le maire, ça ne se peut pas. Pourquoi? Cette fille a insulté un bourgeois. Vous êtes mal informé, Javert. J'ai interrogé des témoins. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, aurait dû être arrêté. J'obéis à mon devoir. Cette femme fera 6 mois de prison. Non, elle n'en fera pas un jour. Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire. Ce qui s'est passé est un fait de police de la rue qui me regarde. Je retiens la femme Fantine. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Et au terme des articles 9, 11, 15 et 70 du code d'instruction criminelle, j'en suis juge. Je vous ordonne donc de remettre cette femme en liberté immédiatement. Maintenant, ça suffit. Pourtant... Vous auriez dû venir me voir. M'expliquer. J'aurais jamais osé, monsieur le maire. Oh, je vous demande pardon. Si vous saviez. Ouvrez-moi cette porte, vite! Ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais il est avec une malade. Ça ne peut pas qu'on le dérange. Il faut pourtant que je lui parle. Ah bien. Je vais le prévenir. Thank you.
J'irai moi-même chercher Cosette. Monsieur Madeleine. Qu'est-ce que vous faites là, Javert? Je vous attendais, monsieur le maire, pour une affaire qui me concerne. L'endroit est plutôt mal choisi, vous ne trouvez pas? Voilà, monsieur le maire. Je demande à être révoqué. Vous révoquez? Comment ça? Je vous dois des excuses, monsieur le maire. Des excuses? Il y a quelques jours, quand vous avez soulevé la charrette de Fauchelevent, j'ai d'abord cru que vous étiez l'homme que j'ai connu autrefois au bagne de Toulon. Un ancien forçat. Une certaine ressemblance et puis la même force physique, une force exceptionnelle, monsieur le maire. Ensuite, dans l'affaire de la fille Fantine, votre attitude m'a semblé si équivoque que j'ai cru discerner une complicité logique entre le forçat et la fille publique. Et qu'est devenu ce forçat? Il s'est évadé? Non, il était libéré. Alors je comprends pas très bien. Pourquoi le poursuivez-vous? Pour une autre affaire. Et c'est parce que vous m'avez soupçonné que vous voulez être évoqué? J'ai été plus loin que des soupçons. Je vous ai dénoncé au ministre de la police. La faute est si grande que ma démission ne suffirait pas. Il faut me révoquer. Vous avez fait votre devoir. Après tout, c'est votre fonction de concevoir des soupçons. Un policier, s'il dénonce son supérieur, doit être sûr de ce qu'il avance. On a arrêté le vrai Jean Valjean. Qu'est-ce que vous dites? Oui, on le juge demain aux assises d'Arras. Aux assises d'Arras? Il se fait passer pour un certain Jean Mathieu. Il a volé des pommes. Jean Valjean est recherché depuis plusieurs années pour l'affaire d'un petit Savoyard à qui il a volé une pièce de 40 sous. Il y a eu récidive. Valjean, cette fois, c'est la perpétuité. Il finira sa vie au bagne. Vous comprenez maintenant, monsieur le maire, que je ne puisse survivre administrativement à mon déshonneur de policier. Je rentre chez moi pour attendre ma révocation. Enfin, messieurs les jurés, qu'est-ce qui prouve que Jean Mathieu est un voleur? Rien! Ou plutôt si, une seule chose, sa qualité d'ancien forçat. Car si nous supposons que Jean Mathieu est le forçat Jean Valjean, qu'est-ce qui prouve qu'il soit le voleur de pommes? Monsieur le Président, puisque la défense elle-même admet que l'accusé pourrait être Jean Valjean, je rappellerai à messieurs les jurés que Jean Valjean a volé 40 sous à un petit Savoyard. J'espère que vous vous en souviendrez lorsque vous enverrez cet homme au bagne. Ce bagne dont il n'aurait jamais dû sortir. J'estime, monsieur le Président, qu'il faut maintenant éclairer le jury sur l'identité supposée ou réelle de l'accusé. Je demande à la cour d'entendre de nouveau les trois forçats qui ont reconnu Jean Valjean. Faites entrer Brevet, Cochepaille et Chenildieu. Témoins, vous avez subi une condamnation infamante et vous ne pouvez prêter serment. Cependant, même dans l'homme que la loi a dégradé, il peut rester, quand la pitié divine le permet, un sentiment d'honneur
et d'équité. L'instant est solennel, et il est toujours temps de vous rétracter si vous croyez vous être trompé. Accusé, levez-vous. Jean-Mathieu. Levez-vous. Brevet, dites-nous en votre âme et conscience, si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. C'est Jean Valjean. C'est moi qui l'ai reconnu le premier, monsieur le président. Cochepaille, à votre tour, reconnaissez-vous l'homme que voici? C'est bien Jean Valjean, monsieur le président, même qu'il était fort comme un turc. Et vous, Chenildieu? J'ai été attaché à la même chaîne pendant 5 ans, monsieur le président. Accusé, vous avez entendu? Qu'avez-vous à dire? Brevet, Cochepaille, Chenildieu, regardez-moi bien. Brevet, c'est à toi que je parle. À Toulon, t'avais un oiseau dans une cage, c'est pas vrai? C'est vrai. Et toi, Chenildieu, tu te surnommais toi-même Chenildieu. Et un jour, tu t'es brûlé l'épaule droite sur un réchaud plein de braise pour effacer la marque des condamnés à perpétuité, c'est pas vrai? Vrai. Cochepaille, tu as près de la signée du bras gauche une date gravée avec de la poudre brûlée. Et cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes. 1er mars 1815. Valjean. Relève ta manche! Monsieur le Président, maintenant vous savez qui je suis. Vous pouvez me faire arrêter où vous voudrez et quand vous voudrez. Monsieur, vous êtes libre. Sur Marie. Oui. Oui, Fantine. Cosette est une belle petite fille. Valjean. Tu vas me suivre en prison.
Javert, elle est morte. Mais je lui ai fait une promesse. Et vous allez m'aider à la tenir. Sa petite fille est encore chez les Thénardier qui la gardent. Je vous demande 3 jours pour aller chercher la petite Cosette. Pour la confier aux religieuses qui sauront l'élever. Je vous donne ma parole d'honneur. Que dès que je l'aurai ramenée, je me livrerai immédiatement. La parole d'honneur d'un forçat. 3 jours, Javert. Jamais je ne t'accorderai ces 3 jours. Je ne suis pas assez fou pour te faire confiance. Suis-moi. Le fourgon t'attend. Suis-moi. Papa qui l'a fait, cette peinture. Ça s'est passé là-bas, mes petites filles. On se battait depuis l'eau. On l'avait chargé 3 fois. Ou encore ce grand escogriffe d'anglais, là, en face de moi, pour être à me décharger sa balle en pleine poitrine. Je l'embrochais avec ma baïonnette, tiens, je vous dis que ça. Oh, misère. Quand j'ai sauvé le colonel, c'était fini. Tout. Cambronne avait dit merde aux Anglais. La vieille garde était morte. Tout le monde avait dégarpé. Mais moi, j'étais resté. Ouais. Il y avait des blessés à sauver. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas, quoi. Servir et protéger la devise des Thénardier. Un moment. La montre du colonel. C'est lui qui l'a donnée à papa pour le remercier de l'avoir sauvé. Rousseau. Bon merci, ça plaît. Colonel, bon merci. Sergent Thénardier, pour vous servir, mon colonel. Pour vous servir, tiens. Pourriture. Si j'y remettais la main dessus, on serait riche. On serait riche. Cosette. Oui, madame. Il y a plus d'eau, va en chercher à la source. C'est fini, madame. Et alors? Bien, madame. Cosette. Madame. Oui, bien sûr. Je la dissous. Tu prendras de la farine en revenant. Et fais vite. Éponine, Zelma, mes petites filles. Allez, au lit.
est bien lourd, ce seau. Tu conviens trop lourd pour toi. Comment tu t'appelles? Cosette. Cosette? Et tu vas où comme ça? À l'auberge. Je suis la servante de monsieur et madame Thénardier. La servante? Bah oui, monsieur. Faut bien. Et c'est par où? Par là. Tu en as fait? Tu l'as perdu? Réponds! Oui, madame, je le jure! Je l'ai perdu! Elle est tombée dans l'eau! Espèce de petite traînée! Tu l'as volée, hein? Je vais t'apprendre, moi! Attends, tiens, tu vas voir! Sale folle! Tu vas voir! Dans votre pièce? Ah, si, ça, c'est ma pièce! Qu'est-ce qu'on peut vous servir? Du vin. Cosette, du vin! Oui, madame. Il m'a rendu une pièce de 20 sous. Voilà, monsieur. Cosette. Monsieur? Viens voir. Cosette, qu'est-ce que t'attends? Prends-la, puisqu'on te le dit. C'est vrai, monsieur. Je peux? Mais oui. Tiens. Comment tu vas l'appeler? Catherine. Pourquoi Catherine? Je sais pas. Bon, ben maintenant, faut aller se coucher, hein? Il est tard. Enfin... Si monsieur le permet. Allez, dépêche-toi, petite fille. Reste tous les deux. Je peux emporter la poupée, madame? Mais bien sûr, bien sûr. Allez, dépêche-toi. Je vais me coucher. Va. Merci, monsieur. Laissez, c'est du tout venant. C'est pour des voyageurs ordinaires, là. Vous permettez? 1804. Allée du Sacre, on dirait des nouvelles. C'est moi qui l'offre. Affaires à Montfermeil? Non, ça on peut pas dire. Là, on s'est trop retiré. C'est... On va pas assez de monde. On travaille qu'avec du passage. Puis les gens d'ici ils dépensent rien. Il y a trop de charges. Mais rien que la petite, là, nous coûte les yeux de la tête. Là. Quelle petite? La petite Cosette. L'Alouette. Il l'appelle l'Alouette dans le pays. Non, non. Non, mon bon monsieur, on gagne plus sa vie aujourd'hui. Il y a trop à payer. Des
des impositions, des patentes, les portes, les fenêtres, les décimes, là. Ils nous prennent trop. Tout au gouvernement. J'ai mes deux filles. Hein. Déjà pas de quoi leur donner à manger, alors c'est... Il faut encore se priver pour élever les enfants des autres. On pourrait vous en débarrasser. De qui? De Cosette. Ah oui. C'est vrai qu'elle nous coûte cher. J'ai une parente qui vit seule. Elle pourrait l'élever. Comme ça, ça ne vous coûterait plus rien. Bon, voilà. On s'attache. Vous savez ce que c'est, quoi. Notez qu'il nous a déjà coûté plus de 400 francs rien qu'en médicaments pour ces maladies. Mais on y tient. On y tient, la petite, quoi. Mais l'affection, ça se commande pas. Hein? Combien? 1500. Tu vas parler? Tu veux qu'on t'aide? Mais on sait que c'est toi qui as alourdi la pipelette. Ben alors à vous! Maintenant, ça suffit. On a assez perdu de temps. Vous vous appelez Gueulemer Gustave. Vous étiez portefaix à Avignon en 1815. Vous êtes de ceux qui ont assassiné le maréchal Brune. Exécuté. Bon. Exécuté, si vous voulez. Après quoi vous êtes venu à Paris? Vous y avez fait connaissance de Claquesous, de Babet et de Montparnasse. Exact. Gueulemer, il ne faudrait pas vous faire des illusions à mon égard. Ce n'est pas parce que j'ai été nommé à Paris depuis 6 mois que j'ignore tout de la bande patron Minette. C'est mon métier d'être au courant, Gueulemer. Et je le suis. Je sais que votre complice, Babet, a été chimiste, pitre chez Bobèche, paillasse chez Bobineau, qu'il a été arracheur de dents et qu'il sait lire. Je sais que votre complice, Claquesous, dort le jour et ne sort que la nuit et qu'il est ventriloque. Je sais que Montparnasse n'a que 20 ans, qu'il est joli garçon, aimable, efféminé, élégant et féroce. Je sais qu'à vous quatre, vous gouvernez le 3e dessous de Paris. Je sais que votre force est d'être quatre, tout en n'étant qu'un seul. Quand on poursuit l'un d'entre vous, c'est un autre qu'on trouve à sa place. Il en est toujours un parmi vous pour être l'alibi des autres. Je sais qu'à vous quatre, vous avez l'entreprise générale des guet-apens du département de la Seine. Je sais que vous travaillez un scénario. Que si l'on cherche dans Paris un tueur, un voleur à gages, vous répondez toujours présent. Que l'on vous connaît sous le nom de patron Minette. Parce que patron Minette, dans votre milieu, cela signifie le matin. Justement, vous cessez de travailler quand finit la nuit, au matin. C'est bien cela? Je sais aussi que vous
que vous avez tué la concierge du 18 rue Ferron. Continuez. Bon, alors tu réponds. Où t'étais le 12, à 2h du matin? Avec Brujon à la Bastille, sans gros défenseau du printanier, Boulatruelle, Font-le-Roi, Glorieux, Barcos et tous les autres. Bon, ben tu réponds, oui! Le fermier appela dans le lointain. Je répète, le fermier appela dans le lointain. Le berger rassembla ses moutons dans son champ. Le berger rassembla... Cosette. Lointain. L-O-I-N-T-A-I-N. Le berger rassembla ses moutons dans son champ. Comme chaque jour, son chien le seconda et fit merveille. C'est quoi faire merveille? Merveille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et faire merveille, c'est faire ce qu'il y a de mieux. Comme chaque jour, son chien le seconda. Maman, c'était une merveille? Oui, Cosette. Une merveille. Son chien le seconda et fit. Et après? Ouvrez! Enfoncez la porte. Pas loin. Avec la petite, il ne peut pas aller vite. Trois directions possibles. Le boulevard qui mène à la Salpêtrière, la rue du Petit Banquier, le chemin de Bicêtre. Je vous dois un mois. En voici trois. Mira, de Ruche. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez quatre hommes avec vous. Exécution. Je vous dois un mois. En voici trois. Voilà vos 30 deniers. Et n'allez pas vous pendre.
J'ai pas peur. Ah, ben ça alors, monsieur Madeleine, mais comment vous êtes entré? Qui c'est? Je vous expliquerai. J'ai besoin de vous, Fauchelevent. Bon. Mais restons pas là, rentrons, rentrons. Rien, inspecteur. Vous êtes des imbéciles. Vous me faites perdre mon temps. On les a suivis à la trace depuis le pont d'Austerlitz. 20 personnes les ont vus passer. Ils sont par ici, c'est sûr. Eh bien, trouvez-le, si vous êtes si sûr. Je rentre. J'ai mon rapport à faire. Bien, inspecteur. Les religieuses ne veulent pas d'hommes, au petit pupus. Ça vient du fondateur du couvent, un certain Martin Varga. Pas d'homme, sauf un jardinier. Et encore, qu'à la condition que je mette ça, que je vais faire mon travail. Regardez le bruit que ça fait. Les hommes, pour ces femmes-là, c'est comme si c'était le diable. Elles ne viennent jamais par ici. Jamais. Non, on risque rien. Ça dépend, il y a les petites. Les petites? Les pensionnaires, pendant les récréations, elles courent partout. C'est fait, si vous restez, il faut que je le dise à ces dames. Autrement, je perds ma place. Ça n'arrangerait pas vos affaires. Non, je comprends. Vous en faites pas. Je trouverai bien un moyen. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je serai malheureux. On verra demain. En attendant, on pourrait déjà coucher la petite. Tenez, portez-la sur mon lit, la pauvrette. Venez, c'est par là. Vous aussi, vous devez être fatigué avec toutes ces histoires. Vous pourrez prendre mon fauteuil pour dormir. Et vous? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Faut encore que je fasse ma ronde. Je suis pas prêt d'être couché. Allez, bonne nuit. Demain, on avisera. Il y a une couverture dans le coffre. Merci. Café. Merci. Dites-moi, Fauchelevent, vous m'avez bien parlé d'une aide? Bien sûr. Que si j'insistais, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est Sœur Crucifixion qui est morte, la pauvrette. Elle avait 87 ans. Elle était malade depuis plus d'un mois. Bon, une supposition que la mère Prieur dise oui. Il faut que vous rentriez dans ce couvent avec la petite et vos affaires par la grande porte, comme tout le monde. Il faut que ce soit la sœur Tourlière qui vous ouvre la grille. Oh. Ah, cette fois, c'est pour moi. La mère Prieur me demande. Je parie que c'est pour clouer le cercueil. C'est moi qui fais tout ici. Je le vends. Sur vous. Ne t'inquiétez pas, j'ai mon idée.
Surtout, vous faites pas boire. Père Fauchelevent, pourriez-vous d'ici à ce soir vous procurer une barre de fer? Ça dépend, pour quoi faire? Pour servir de levier. Oui, révérende mère. Il s'agit de soulever une pierre. Une pierre? Elle n'est pas trop lourde, au moins. La dalle du pavé qui est à côté de l'autel, dans la chapelle. Celle qui ferme le caveau? Oh, faudrait être deux. Je vous l'ai dit, je me fais vieux, j'aurais besoin d'un aide. La mère Ascension, qui est forte comme un homme, vous aidera. Une femme, c'est pas comme un homme. Mère Crucifixion était une sainte. De son vivant, elle faisait des conversions. Après sa mort, elle fera des miracles. À travers elle, toute notre communauté sera bénie. Elle n'ira pas au cimetière de Vaugirard. Elle sera inhumée dans la chapelle. Mais c'est interdit par la loi. Tout le monde doit aller au cimetière. Défendu par les hommes, mais ordonné par Dieu. Si l'inspecteur de la préfecture l'apprenait. Nous avons confiance en vous, Fauchelevent. Vous pouvez, mais c'est pas... Père Fauchelevent, est-ce dit? Bon, mais c'est dit. Entre 11h et minuit, la mère Ascension vous attendra. Vous enterrerez sœur Crucifixion dans le cercueil où elle dort depuis 20 ans. Comme vous voudrez. Bien. Merci, mon ami. Révérende mère, c'est à cause de mon frère, rapport à ce que je me fais vieux, et puis je suis infirme. Ah, si j'avais mon frère comme aide, une affaire comme celle de cette nuit se ferait plus facilement. Mais puisque vous aurez la mère Ascension. Je sais bien, mais enfin, le potager est grand, il y a les allées à entretenir, les arbres à tailler. Mon frère, lui, il est plus très jeune, mais enfin, il est plus fort que moi, hein. Et puis, il a une petite fille qu'il amènerait avec lui. Elle pourrait s'élever au couvent, et puis qui sait, un jour peut-être, devenir religieuse. Il est à Paris, votre frère? Oui, révérende mère. Demain, après l'enterrement, amenez-le-moi, et dites-lui qu'il amène sa fille. Révérende mère. C'est vous, le frère? Oui, révérende mère. Comment vous appelez-vous? Ultime Fauchelevent. Quel est votre état? Jardinier. Vous êtes bon chrétien? Tout le monde l'est dans la famille. Cette petite est à vous? Oui, révérende mère. Vous êtes son père? Oui, révérende mère. Il répond bien. Approche. Elle sera laide. Père Fauchelevent, vous aurez une autre genouillère à grelots. Il vous en faut deux maintenant. Quant à la petite, nous nous chargerons de son éducation. Allez dans la paix du Seigneur.
Un héritage? Oui, un petit héritage. Je ne peux pas vous retenir de force, monsieur Fauchelevent. Vous savez, ma mère, si Cosette avait voulu prononcer ses vœux, j'aurais certainement fini ma vie ici, mais elle ne souhaite pas être religieuse. Je sais. Nous le regrettons. Mais nous respectons sa décision. Eh bien, adieu, monsieur Fauchelevent. Adieu, Cosette. Ma mère, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accepter cette somme de 5000 francs pour les 8 années que Cosette a passées dans votre communauté. Vous êtes sûr que cette somme ne vous fera pas défaut? Au revoir, ma mère. Je vous remercie, monsieur Fauchelevent. Adieu, mère révérende. Et merci pour tout. Venez m'embrasser, Cosette. Soyez heureuse, mon enfant. Soyez heureux, monsieur Fauchelevent. Un baron, toi ! Un baron fait par Buonaparte. Comme si ces barons-là avaient jamais eu de l'existence. Baron Marius Pontmercy. Et des cartes de visite encore, des cartes gravées que tu laisses traîner dans ta chambre pour que mes domestiques les voient et me ridiculisent. T'as donc oublié tout ce que j'ai appris ? Laissez-moi parler, grand-père. Vous m'avez enseigné que la seule vérité politique était du côté des Bourbons. Je l'ai cru. Vous m'avez caché que j'avais un père. Je ne l'ai su malheureusement que lorsqu'il était mort. Et j'ai découvert que ce père était un héros. Et toi ? Vos Bourbons sont de vieilles barbes. Des cadavres vivants. Personne n'en veut plus. La preuve, c'est qu'en 1830, les Parisiens les ont chassés. Et que personne n'a levé le petit doigt pour les retenir. Misérable, tu préfères Louis-Philippe. Tu devrais avoir honte. Louis-Philippe ne vaut pas mieux que les autres. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Bientôt, les Français reprendront les armes. Et appelleront sur le trône Napoléon II. Et moi, vous entendez, moi, le fils du colonel Baron Pontmercy, je serai le premier à crier « Vive l'Empereur !» Dors, va-t'en. Si je m'en vais, vous ne me reverrez plus. Je ne veux plus te voir, jamais. Je te chasse, ton con. Je te chasse. Marius. Et voilà, je suis parti. Il a pas essayé de te retenir. Non. Non, cette fois, c'est bien fini. De toute façon, ça pouvait pas durer. Mais seulement maintenant, il faut que je trouve une chambre. Puis, si possible, pas trop loin de la faculté. Et pas trop cher. C'est tout? Oui, notre Anne de Lorette. 10 francs par mois, ça te va? Tu connais la logeuse? Voilà, je vais te présenter. En théorie, seulement en théorie. Et voilà, grand air.
Parmi tous ces idéalistes, je suis celui qui ne croit à rien. Non, 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 n'écoute pas, il croit en Enjolras, c'est déjà possible. De Courfeyrac. Non, 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 pas de Courfeyrac. J'ai abandonné la particule quand j'ai perdu mes illusions. Parce que les partis sont utiles, acceptent, transigés. Il appartient aux sociétés secrètes d'être irréductibles. C'est une société secrète ? Semi-secrète. Ah. Parce que la police ne nous prend pas encore au sérieux. Mais ça viendra. Nous avons été la France des droits de l'homme. Nous avons appris la liberté à l'Europe. À Berlin, à Naples, à Madrid, les hommes ont pleuré en chantant la Marseillaise. Bravo ! Le bonheur est une idée neuve en Europe. Merci Saint-Just ! Nos pères ont inscrit au fronton des monuments la liberté ou la mort. Préférons le tombeau à l'asservissement. Le moment approche. En chassant Louis-Philippe, nous proclamerons la République, car la République seule s'occupera de ceux qui souffrent, de ceux qui ont faim. En un mot, des misérables. Nous ne voulons plus de misérables. L'amour est aveugle. Les peintres, les praticiens des ateliers de sculpture, et il est urgent d'aller leur parler. J'en reviens. Ils se retrouvent chez Richefeu entre midi et une heure. Oh, ben moi j'irai. Oh. Toi ? Oui, parfaitement, moi j'irai. J'ai des choses superbes à leur dire. Condition d'être à jeun, grand-père. Jeun ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, jeun ? On tira la barrière, oui. Je crois à l'entraînement de l'exemple. Rappelez-vous, 1830. J'ai demandé à Courfeyrac de voir les polytechniciens. Note. Ah, n'oublie pas qu'il faut absolument rallier les étudiants de l'école de médecine. Pour les barricades. C'est le quartier idéal qui est le plus propice. Là. Et là. Voilà. Rue de la Chanvrerie, on y est. Pourquoi croyez-vous que j'ai choisi le Café Corinne comme quartier général? Bonjour, là. Bravo. Une heure de retard. Mais en vrai, j'y suis pour rien. C'est Marius, il a perdu la tête. Est-ce que tu as tué malade? Mille pardons, messeigneurs. Marius est amoureux. Amoureux? Que dis-je? Aimé, j'idolâtre Junie. Ah, parce qu'elle s'appelle Junie? Non. Cette Junie-là, messieurs, n'a pas encore de nom. Oh oh.
ordures, des canaries. Calme-toi donc, va. Je vais t'aider, tiens. Justice. Même quand on est mort. T'as qu'à voir le père Lachaise. Les gros, les Rupins, les riches. Les... On les met tout en haut, là, dans la vie des acacias. Qui pavés. Ils peuvent arriver en voiture. Tandis que les petits. Les pauvres. Les malheureux, les anciens artistes, comme moi, on les met tout en bas, là. C'est plein de boue pour qu'ils pourrissent encore plus vite. On peut même pas aller les voir sans s'enfoncer dans la terre. Mais qui t'a allé voir au cimetière, toi? Personne pour le moment, mais ça va pas tarder, je le sens. Dans l'état où on se trouve. Tu fais du mal. Tu te fatigues trop à écrire toutes ces lettres-là. Tu leur fais bien de l'honneur. Tous ces gens de là-haut. Qu'est-ce que tu veux? On s'en refait pas. Tiens. C'est tout? Oh. Oh, misère. Oh. Pense au voisin, il peut encore servir. Peut-être. Je retiens. Qui ça? Le vieux de l'église Saint-Jacques. T'as dit qu'il va venir? En fiacre. En fiacre. Bah oui. C'est Rothschild. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Va porter la lettre. Toi, casse le carreau! Fous-toi au lit! Seigneur! Si on veut des combattants, il ne suffit pas de les informer, il faut les convaincre. Il faut les rallier à notre cause, les préparer au combat. Monsieur Marius, c'est moi. C'est ma voisine. Bon, ben, on te laisse. À 3h au Corinthe. J'y serai. Mademoiselle. À demain. À demain. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, réponds. Vous donnez une lettre. Donne. C'est pas la peine de me remercier, c'est rien. 5 francs pour nous, c'est pas rien. Surtout en ce moment. C'est pas mal chez vous. C'est propre. Vous en avez des livres. Nous, on en a qu'un. Avec des gravures. Je l'ai lu au moins 20 fois. Que je sais lire, vous savez. Je suis même la seule à avoir de l'instruction. C'est mon père qui m'a appris. J'ai même étudié chez les sœurs. Tenez. Le général Baudouin reçut l'ordre d'enlever les 5 bataillons de son armée. Le château de Hougomont, qui se trouve au milieu de la plaine de Waterloo. Waterloo? Mon père y était.
même qu'il était sergent. Puis je sais écrire aussi. Regardez. Je peux prendre les cognes sont là. Vous savez ce que c'est, les cognes? Non. C'est la police. Je pourrais vous en apprendre des choses. Vous savez ce que c'est, un tôle? Non. C'est un bourreau. Et ça, c'est un blave. Et vous, monsieur Marius, un mignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire joli garçon. J'ai faim, mon père, pas de fricot. J'ai froid, ma mère, pas de tricot. Sanglote, lola, grelotte, jaco. Bon ben, je vous laisse. Quand tu veux. Ah, c'est vous? On vous attendait. Nous avons fait quelques achats. C'est par ici. Tenez. Voici des vêtements chauds. Merci, monsieur. Et aussi un peu de nourriture. Mademoiselle. Voilà. Oh, merci, monsieur. Merci, mon bienfaiteur, merci. Vous sauvez. Oh, merci. Merci. Mais pas l'argent. Avec ce carreau cassé, mon épouse au lit, malade. Une mauvaise fièvre. C'est rien, j'ai l'habitude. Puis ma pauvre petite fille, là, qui s'est blessée. Avec son maudit carreau. Je peux faire quelque chose? Montrez-moi cette blessure. Non, 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 c'est pas beau à voir. Approchez pas. Alors, ce qui m'embête le plus, monsieur, c'est pour son travail à l'usine. 6 sous par jour, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Parce qu'il n'y a plus un sou à la maison. Et la logeuse m'a averti. C'est demain le dernier délai pour le loyer en retard. Si j'ai pas l'argent ce soir pour la payer, on nous met à la porte. Vous voyez? Dans la rue, avec ma femme qui a la fièvre, là. Une petite fille qui n'a plus rien à se mettre. 4 termes. Ouais. 4 termes. 4 termes, je dois, ça fait 1 an, quoi, 60 francs. Voulez-vous que je trouve une telle somme, moi? Monsieur Jondrette, je n'ai que cette pièce de 5 francs sur moi. Prenez-la. Je vais reconduire ma fille à la maison et je repasserai dans la soirée vous apporter les 60 francs qui vous manquent. Oh non, 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 non. Oh. Viens. Oh. Thank you.
fais là? Je vous dérange? Est-ce que tu connais l'adresse des gens qui sont venus chez toi tout à l'heure? Non. Pourquoi? Tu sais pas où on peut les trouver? Peut-être bien. Vous les connaissez depuis longtemps? Non, je les ai rencontrés une fois au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg? Parce que j'y vais tous les jours. Bon. Ben, quand j'aurai des nouvelles, je préviens Adrien. Éponine. Faut absolument que je les retrouve. Fais ça pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous ferez pour moi? Ce que tu voudras. Je n'ai jamais vu cet homme-là. Bon, oui. Puisque je te dis que je l'ai reconnu, je suis pas fou. Qui ça? Ah, tu tombes bien, toi. Tiens, emmène donc ta sœur. Non, ça, tu penses pas que le temps qu'il fait. Ah bah justement, ça lui fera prendre l'air. Tu retires ton chiffon, toi. Moi, ça sert plus à rien. Hein. Alors? Ça fait 8 ans, mais j'ai reconnu tout de suite. Il n'y a rien qu'au son de sa voix. C'est pas moi. Ça me rappelle rien. Rien du tout. Ah, celui-là, il a plutôt l'air d'un Rupin. Alors toi aussi, c'est un Rupin. Je l'avais senti. Un Rupin déguisé en pauvre. Puis tu veux que je te dise? La demoiselle. À quoi, la demoiselle? Ah ben, c'est Cosette. Cosette? Ah oui, Cosette. Tu te souviens plus, Cosette? Oh, ça va pas! Oh non, ça, je l'aurais reconnu. Pas forcément, avec le temps. Avec sa billet comme une princesse. Oh, tiens, j'aimerais lui crever le ventre. À coup de sabot, rien que pour lui faire voir. Laisse. Laisse, ma douce, laisse. Il y a mieux à faire. En s'y prenant bien, c'était à notre tour d'être un peu millionnaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, ce soir, quand il va venir, la maison sera vide. Un berbujon et une nettoyage en ville, c'est mardi. Et là, toi, ça, t'as pas peur qu'il entende? Il veut sortir tout à l'heure et puis il rentre pas à 11h. Il s'en fout, le voisin. C'est pas ses affaires. Alors j'enverrai les petites sœurs laguées. Et puis tu resteras avec moi pour m'aider. Et nous deux, c'est bien voir si on arrive pour aller faire cracher son or. J'en ai fait parler d'autres. S'il s'exécute pas. Alors là. On l'exécutera. Il s'agit de la bande à patron Minette. Ces hommes vous font-ils peur? Pas plus qu'à vous. Bonne réponse. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire. La nuit, la porte de la maison doit être fermée. Avez-vous la clé qui donne sur la rue? Oui. Donnez-la-moi. Ils sont chargés. Rentrez chez vous, un peu avant l'heure, montez sur votre table. Observez par le trou ce qui se passe chez ce Jondrette. Laissez les choses aller.
Quand vous verrez que l'affaire est bien engagée et qu'il est temps d'intervenir, vous tirerez un coup de pistolet. Pas trop tôt. Le reste me regarde. Attendez qu'il y ait commencement d'exécution. Vous qui êtes à la faculté de droit, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, nous n'avons plus une minute à perdre. Il est 6h30. C'est pour 8h. 9h. J'ai le temps. Juste le temps. Si vous avez besoin de moi, d'ici là, vous pouvez demander ou faire demander l'inspecteur Javert. C'est mon nom. Pas de fricot, j'ai froid, ma mère, pas de tricot, Monsieur Jondrette, voici l'argent pour votre loyer. Nous verrons plus tard ce que nous pourrons faire. Oh, merci, mon beau monsieur. Dieu vous le rende. La petite qui s'était blessée, comment va-t-elle? Sa sœur l'a accompagnée à l'hôpital pour se faire soigner à cause de l'infection. Elle va à la porte. Madame Jondrette va beaucoup mieux à ce que je vois. Elle se force. Elle est mourante. Mais nous n'avons pas toujours été dans la misère. Nous avons connu des moments de prospérité. Maintenant, nous n'avons rien, plus rien du tout. La malchance, la malheureuse spéculation, vous savez ce que c'est, ça? Permettez. Hey, regardez. Regardez bien. C'est un souvenir. Et Dieu sait si j'y tiens. Je suis prêt à m'en séparer pour une bouchée de pain. Que voulez-vous, j'ai mes enfants à nourrir. Non, vous inquiétez pas, ce sont des gens de la maison, des voisins, des amis. Regardez plutôt ceci. Toile de maître. Un tableau d'un très grand prix. Qui tient autant qu'à mes deux filles. Vous êtes sûrement amateur d'art. Pas exactement, non. Combien estimez-vous? Je me contenterai de 1000 écus. Je comprends pas très bien. Regardez-moi bien. Vous vous rappelez pas de moi, là? Pas si vieux, pourtant. Vous me reconnaissez pas? Non, vraiment, je vous dis rien. Et l'auberge de Montfermeil, ça vous dit rien non plus? Et Cosette? Ça vous rappelle rien? Et Thénardier? Thénardier, le sergent de Waterloo? Eh ben, Thénardier, c'est moi! À Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Colonel Pontmercy. Un soir, il y a de ça 8 ans, eh ben, je l'ai jamais oublié, ça, et maintenant je te retrouve. Et je ne te lâcherai plus, il va falloir payer. Tu veux faire semblant, hein? Tu fais semblant. Tu veux me faire croire que tu sais pas qui je suis. Hein? Tout ce que je sais, c'est que tu es un bandit, Thénardier. Ah ben, celle-là, elle est raide, alors un bandit, c'est quoi qui dit ça? Mais moi, monsieur, j'étais un homme établi. J'étais pas trompé! J'étais électeur et toi, qu'est-ce que t'es pour me traiter de bandit, hein? Avec tes grands airs! Tu crois que tu vaux mieux que nous, hein? Non, c'est pas tout ça maintenant. Il me faut de l'argent. Hein? Beaucoup d'argent. Énormément d'argent! Si tu veux pas que je t'alourdisse. Hein? Ah, tu dis plus rien maintenant, c'est fini, ça.
Allez, vous autres, attachez-le sur le lit. Bouge pas, toi. Bande de charogne. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez cru? Vous auriez pu m'avoir, moi? Hein? Thénardier. Regarde bien qui je suis, Thénardier. Regarde. De m'emporter tout à l'heure. J'ai dit des bêtises, quoi. J'ai dit qu'il fallait beaucoup d'argent, c'est pas des choses à dire, ça. L'argent, ça court pas les rues. Faut réaliser, faut vendre, faut encaisser aussi. Ça se fait pas en 5 minutes. Alors, j'ai décidé de rester dans les limites du raisonnable. Il me faut 200 000 francs. Alors, je sais, vous allez me dire, 200 000 francs, je ne les ai pas dans ma poche. Eh ben, on va aller chercher Cosette. Quand elle sera là, on vous laissera aller. Quand vous serez de retour avec les 200 000 francs, vous serez libres tous les deux. T'as perdu assez de temps. Le réchaud, c'est plus sûr. Quand il sera à point, il nous donnera tout, l'adresse, la fille et l'argent. Mais... l'adresse. Ne tire pas, Thénardier, je te connais, tu vas rater ton coup. Le 12 mai 1832, à 10 heures de relevé. Nous, officiers de police, avons procédé à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs qui avaient tendu un guet-apens aux sieurs. Aux sieurs. C'était peut-être le meilleur. Allez, Oust, les poussettes à tous ces braves gens. Allez, tiens. Vous croyez qu'ils ont profité que j'étais pas là pour faire leur coup? Ça tombe sous le sens. Monsieur Marius, à quelle heure est-il parti ce matin? À 8 heures, monsieur l'inspecteur. Même qu'il a payé son loyer. Si par hasard il revient dans cette maison, prévenez-moi immédiatement. Vous pouvez compter sur moi, monsieur l'inspecteur, vous savez bien.
Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Alors, la vieille, toujours aussi laide? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour cette engeance de Thénardier que tu viens, tu peux déguerpir. Pourquoi, il est pas là, papa? Il a trouvé à se loger, à la force. Et ma mère? À Saint-Lazare. Et mes sœurs? Au Madelonnette. Oh, les pauvres. Dis la vieille, en attendant qu'ils reviennent, on pourrait peut-être s'arranger tous les deux, si on se met en ménage. T'es malheureux. Fais attention à ce que tu dis si tu veux pas que je te flanque mon pied quelque part. Si. C'est une honte de voir ça. Graine de potence. Tu finiras au bout d'une corde. Guillotiné, on voit mieux le sang. Monsieur l'inspecteur. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Gavroche, pour vous servir. Et vous? Où habites-tu? Ça vous regarde? Comme tout ce qui regarde la police. Je t'avertis, toi aussi. Tu pourrais te retrouver à l'abri un de ces jours. Tu ne sais pas qu'il existe des prisons pour enfants? Si, je le sais. Mais c'est peut-être moi qui vous y enverrai un jour. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans leur ruisseau, c'est la faute à... Je ne suis pas de terre. C'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à... Et alors, il a défait la boucle. Et pas plus tard qu'hier. Oh, Thénardier m'a... Salut, Avignon. Salut, Montparnasse. Oh, ça alors, les plus belles. Oh, bah dites donc, on vous attendait pas si tôt. Ça va? Ça va, toi? Viens, viens par ici. Alors, on vous a relâché? Les cognes. Ils se sont trompés sur la marchandise. Il paraît qu'on n'a rien fait. Et ta mère? Au cimetière. La pauvrette. Dis donc. Ton père, il va s'évader avec Gueulemer et Claxou. T'en es sûr? Oui. Je suis sûr un coup. T'en es? Ça dépend. Où ça? Rue Plumet. C'est ton père qui a tout préparé de sa prison. Tu te rends compte? Tu pourrais nous donner un coup de main? Pourquoi faire? Pour repérer l'endroit. Fais voir. Déposer une plainte contre tes filles, la Magnon. Elle racole sur la voie publique. Et alors? Ça date pas d'hier? Allons. Ah! 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 Oh! Je comprends pas.
J'ai toujours été correct avec vous, inspecteur. C'est pas gentil ce que vous me faites là. Thénardier et Claquesous Gueulemer se sont évadés cette nuit. Évadés? Oh, pour ça alors? À ce qu'on m'a dit, les patrons Minette fréquentaient chez toi. Bon, c'est arrivé dans le temps. Je les vois plus. La preuve, hein. Je savais même pas qu'ils étaient en prison. Si par hasard tu les vois, je compte sur toi. Oh, vous le pouvez. Inspecteur, si vous brandiez mes filles en échange. En échange? Attention, la Magnon. Je te préviens, le fourgon est encore là. Si tu veux, je peux t'embarquer, toi aussi. Oh, vous seriez bien avancé, hein. À mon âge. Ça va. J'attends tes nouvelles. Pour le reste, on verra. Celui qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le dénommé Thénardier. Allez. On pensera peut-être un jour voir ses filles. On ne sait jamais. D'ailleurs, c'est une ordure. Aide-moi un peu. J'ai été repliée. Et alors? Il n'y a rien à faire. On perd son temps. Il y a trop de risques. T'en es sûr? T'es sortie? Pourquoi? Je t'ai manqué? À haute bon cœur, monsieur Dan. J'ai besoin de rien. Non, non, merci, tout ça. Maintenant, il ne tarde que votre permis de voyage. Bonsoir, mademoiselle. Bonne nuit, tout ça. Tu l'as vu? Bah oui, comme je vous vois. Tu lui as parlé? Comment va-t-elle? Elle a l'air de très bien se passer de vous. C'est parce qu'elle me connaît pas. C'est vu qu'une fois. C'est bien trop votre chemise. Éponine, tu vas me jurer une chose. Quoi donc? Que tu ne donneras jamais son adresse à ton père. Je risque rien. Il est à Vierzon. Et quand il reviendra? Je dirai rien. Ni à lui, ni à personne? Jure-le-moi. Si ça peut vous faire plaisir. Merci, Éponine. Je te revaudrai ça. Tiens. Vous comprenez jamais rien. Mademoiselle, je sais que je viole tous les usages, que je puis encourir votre courroux et celui de monsieur, votre père. Mais quand on aime comme je vous aime... Mademoiselle! Je vous ai aperçu un jour au Luxembourg. Et dès cet instant, ma vie a changé, puisqu'elle n'a plus eu de sens que par vous.
S'il vous est arrivé de penser à moi, alors vous devez savoir que l'amour vrai se désole et s'enchante pour un gant perdu, pour un mouchoir trouvé, et qu'il a besoin de l'éternité pour l'aboutissement de ses espérances. Ainsi donc, mademoiselle, je vous aime. Et j'ai l'audace de le dire, de le crier, d'espérer l'impossible, de croire que vous en viendrez vous aussi à m'aimer. Marius! À demain! À demain! Filet de sol au Saint-Picon de Tourtour et coulis d'asperge verte. Puis-je savoir, monsieur, ce que vous êtes venu faire ici? Est-ce pour me demander pardon? Alors vous reconnaissez vos torts? Non, monsieur. Alors que me voulez-vous? Je viens vous demander la permission de me marier. De vous marier? Vous entendez, ma chère fille, votre neveu veut se marier. Mon père... Taisez-vous! Peut-on savoir à qui vous voulez vous marier? Avec une jeune fille. Oh, ben ça, j'imagine. Que j'ai rencontrée au Luxembourg, mon père. Pour vous marier, il vous faut un état ou de la fortune. Or, vous ne possédez ni l'un ni l'autre. Rien. J'espère que la fille est riche. Comme moi. Que de langoustine en feuilleté léger aux morilles et riz d'agneau. Qu'est-ce que c'est que le père? Je ne sais pas. Enfin, comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle Fauchelevent. Fauchelevent? C'est un nom de cigale. Grand-père, permettez-moi de l'épouser. Je n'ai pas 25 ans et j'ai besoin de votre consentement. En plongeant dans la misère avec mademoiselle n'importe qui, fille de monsieur n'importe quoi, jamais, jamais je n'y consentirai. Ma tante, je l'aime. Il l'aime, voyez-vous ça? Pigeon rôti aux fèves et jeune poireau à la crème. Je préfère te donner 100 louis pour faire le jeune homme. Je trouve très bien que tu sois amoureux. J'aime mieux que tu sois amoureux que Jacobin. Alors écoute-moi, je vais te donner un conseil. Ne l'épouse pas. Fais-en plutôt ta maîtresse. Tu en auras le même profit sans en avoir les inconvénients. Tu me comprends? Hein? Qu'en penses-tu? Monsieur, la dernière fois que je vous ai vu, vous avez outragé mon père. Aujourd'hui, vous insultez ma femme. Je ne vous demanderai plus rien. Adieu, monsieur. Marius, fais courir un peu le rire, rattrapez-le, vieille folle. Carré d'agneau poilé au poivre d'or et au poivre vert. Sur un lit de cœur de l'écu brisé et flambé à l'armagnac. De cette restauration qui bâillonnait les hommes libres, la marque qui aurait pu jouir en paix des lauriers de sa gloire a brandi l'étendard de la plus ardente des révoltes. Vous l'aimiez parce qu'il a bien servi le drapeau tricolore. Vous l'avez admiré parce qu'il a dit non à l'objection. Vous défendez la liberté aussi bien à la tribune que sur les champs de bataille. Il a été éloquent comme il avait été vaillant. Thank you.
dans son lit. Il est malade? Ouais, c'est mal de cœur. L'amour du monde. Ça se calme. Si jamais tu le vois, dis-lui de nous rejoindre au café Corinne. On va dresser une barricade. Une barricade? Ouais. Attends-moi, j'ai pas le temps. Monsieur Marius, c'est moi. Je peux entrer? Marius, je suis désespérée. Mon père m'emmène dans un appartement que nous possédons, cette rue. Monsieur, s'il vous plaît. Éponine? Qu'est-ce que tu fais là? Ils sont partis. Comment ça, partis? Je suis venue vous prévenir. De quoi? Votre ami Courfeyrac vous attend avec les autres rue de la Chanvrerie. Ils vont construire une barricade. Une barricade? Les dragons chargés à l'enterrement du général Lamarque. Il y a des morts. Pourquoi es-tu habillée comme ça? C'est pour la barricade. C'est plus commode. Je vous laisse. Éponine. Éponine! Rien à signaler. Hé, l'aigle! Marie! Tiens, attrape! Je t'attendais. Et où sont les autres? En bas au Corinthe. C'est la faute à Voltaire. Le nid dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas la terre. C'est la faute à Voltaire. Je suis la faute à Rousseau. Je n'ai ni d'amis qui reconnaissent leur enfant. Je suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Doyeux de rien gagner avec un cœur de conserve. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à... Qu'est-ce qu'on a mis à l'enterrement de la marque?
Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute. Dis, Enjolras, dis, Javert. Je reviens, s'ils arrivent, prévenez-moi, je suis au Corinthe. Qui êtes-vous? Un mouchard? Inspecteur Javert, agent de l'autorité. C'est bien ce que je disais. Un mouchard. Je vous l'avais bien dit, je vous aurai un jour. Vous vous rappelez? Quand je suis venu voir mes vieux. Si la barricade est prise, vous serez fusillé. Emmenez-le. Ah, merci du cadeau. Hey, compère. Oui. Tu les connais? Ah, mais c'est Marius. Mon pauvre ami, on ne t'espérait plus que nous voulons le plaisir de cette visite tardive. Jeune homme, où sont les autres? Hé, hey, Marius, tu es guéri?
Aline, on va te porter au café Corinthe. Il y a des médecins parmi les étudiants. Non. C'est plus la peine. C'est trop tard. Je voulais vous dire. J'ai fait quelque chose de mal, monsieur Marius. J'avais une lettre pour vous. De la part de la demoiselle de la rue Plumet. J'ai pas envie de vous la donner. C'est trop là. Je l'ai trouvée dans le jardin. Vous savez, rue Plumet, monsieur Marius, quand je serai morte, je voudrais que vous m'embrassiez. Seulement quand je serai mort. Parce que vous savez, je crois bien, j'étais un peu amoureuse de vous. Y a quelqu'un, oh! C'est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. C'est toi qui as frappé? Mademoiselle Cosette, c'est bien ici? Qu'est-ce que tu lui veux à Mademoiselle Cosette? J'ai une lettre à lui remettre. Eh bien qu'on n'y voit rien, je pense pas que ce soit vous. Je suis son père, c'est la même chose. Elle dort. Oui, mais... Mais quoi? Monsieur Marius m'a dit qu'il fallait que je remette moi-même. Monsieur Marius. Bon, bah, lave-la. Salut, hein? Je retourne à la barricade. Quelle barricade? Rue de la Chanvrerie. Un de ces quatre, hein? Au ciel! Je suis tombé par terre. Je voulais simplement te dire que la parole que je t'avais donnée, je la tiens. Quand tu liras cette lettre, mon âme sera près de toi et te sourira. Je t'aime, Marius. Il
Je m'appelle Marius Pontmercy. Si je trouve la mort sur les barricades, faites part de mon décès à Monsieur Gilles Normand, mon grand-père, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. Les canons, ils vont donner l'assaut. À la barricade, citoyens! À la barricade! Citoyens! Mes amis, mes frères, la force aveugle qui nous écrase ne viendra pas à bout de notre idéal. Car notre idéal, au-delà de la République, c'est le bonheur des hommes. Citoyens, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux. Ceux qui vont mourir ici disparaîtront dans le rayonnement de l'avenir. Nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Si tous les hommes de la terre le veulent, Dieu les exaucera. Adieu, mes amis. Et vive la République! Simple.
Le chef s'appelait Enjolras. Étudiant en droit. Un fanatique. 22 ans, fils unique. Et riche. Et riche. Il est à remarquer, mon général, qu'une fois de plus, la société secrète en question, les amis de l'ABC, travaillaient en relation étroite avec des ouvriers. Inspecteur Javert. La commission militaire vous adresse ses plus vives félicitations. Monsieur l'inspecteur, on a retrouvé les traces de Thénardier de la bande Patron Minette. La Magnon les a dénoncées. Allons-y. Thank you.
Regardez, mon prince. T'es pour sortir? Toi, t'es le client, moi, j'ai la clé. Alors, pars à deux. Tu l'as quand même pas fait pour rien, cet homme. Je suis sûr que dans ses poches, il avait ce qu'il faut. Alors, on partage et je t'ouvre les grilles. C'est régulier. L'argent contre la clé. Ça te va? Tu es pour cher. T'es sûr qu'il n'avait pas plus que ça? Peut-être bien je m'en contenterai, mais tu gorges le métier. C'est suriné à bon marché. Enfin, comme dit Rousseau. La clé des champs. À la revoyure, mon prince. Valjean! Vous êtes en état d'arrestation. Quel est cet homme? Il a été blessé à la barricade. Je le ramène chez lui. Très bien. Vous deux, occupez-vous de la bande à Patron Minette. Suivez-moi. Encore une demande à vous faire. La dernière. J'ai une fille. Je voudrais l'avertir.
instructions ôtent leurs souliers et restent pieds nus sur la dalle pendant qu'on les fouille. Plusieurs tous en rentrant à la prison. Cela entraîne des dépenses d'infirmerie. Les détenus, dit Aboyeux, qui appellent les autres détenus au parloir, se font payer 2 sous par le prisonnier pour crier son nom distinctement. C'est un vol. On entend tous les jours des gendarmes raconter dans la cour de la préfecture des interrogatoires de prévenus par les magistrats. Un gendarme qui devrait être sacré, répétant ce qu'il a entendu dans le cabinet de l'instruction. C'est là un désordre grave. Après ma mort, il faudra en tenir compte. Je vous remercie, monseigneur. La collation est servie, monseigneur. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. C'est le plus beau jour de ma vie et vous m'avez fait pleurer. Je suis désolé. Je t'expliquerai plus tard. J'espère que tu comprendras. En attendant, monsieur, j'aimerais vous dire quelques mots en particulier. Monsieur. Je vous laisse. Ne soyez pas trop long. Merci. Ce que j'ai à vous dire est assez difficile. Je vous demande donc de ne pas m'interrompre. Voilà, je ne suis pas le père de Cosette. Comment ça, monsieur? Je vous ai demandé de ne pas m'interrompre. Mon nom n'est pas Fauchelevent. Je m'appelle Jean Valjean. Et je suis un forçat évadé. Un forçat? Un jour, j'ai volé un pain, et pour avoir volé ce pain, j'ai fait 19 ans de bagne. Plus tard, j'ai été condamné à perpétuité pour vol et récidive. Et à l'heure actuelle, je suis en rupture de ban. Enfin, monsieur, qu'est-ce que tout cela veut dire? Il y a 10 ans, j'ignorais l'existence de Cosette. Aujourd'hui, elle est pour moi ce que j'ai de plus cher au monde. Et maintenant qu'elle est votre femme, elle n'a plus besoin de moi. Alors, je vous la confie. J'ai fait remettre 600 000 francs à M. Gillenormand, votre grand-père. 600 000 francs? Alors, il s'agit d'argent honnêtement gagné, rassurez-vous. C'est la dot de Cosette. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur. Soyez tranquille, vous n'entendrez jamais plus parler de moi. Adieu, monsieur. Pourquoi m'avoir dit tout cela? Pourquoi?
Elle est belle. Comment tu vas l'appeler? Catherine. Pourquoi Catherine? Je sais pas. Elle a la queue comme tout le monde. Au suivant. Thank you.
champ. Maintenant, vous êtes libre.